Osdorff, c'est grand port. C'est grand port, il y a plein de choses. C'est des endroits qui vivent autour finalement des bateaux, des infrastructures improbables. Il y a beaucoup d'outillage un peu lourd, des grues, des quais, des trucs en acier. Et puis toute une vie qui s'est créée finalement autour de ces allées et venues de bateaux, c'est toujours riche les ports. Et celui-là, c'est l'un des plus grands ports, peut-être le plus grand port de France. Et je trouve que c'est assez incroyable. Ouais. J'adore cette ambiance. Hein. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'il se trouve que moi qui suis méditerranéen et qui fais rue de Méditerranée, il se trouve que j'ai mon grand-père qui est le frère de ma grand-mère maternelle, qui a dirigé, qui est le commandant de l'île du port du Havre pendant une dizaine d'années, il y a une cinquantaine d'années, voire un peu plus. En fait, c'est un brise-vent, quelque chose qui a été construit pour protéger finalement le quai d'en face, où il chargeait, déchargeait notamment des particules fines, des genres des céréales, etc. Et donc c'est un brise-vent, le vent il passe là-dessus, il part un peu plus.